Bien. Je vous propose de démarrer nos travaux. Mes chers collègues, Yorana à tous. Monsieur le Président de la Polynésie française, Monsieur le Vice-président, Mesdames et Messieurs les ministres, à l'ensemble des représentants de la presse, chers amis, nous avons été convoqués par lettre 1540-2022 du 2 septembre 2022 et je demande à notre secrétaire général de faire l'appel des représentants. Madame Amaru Patricia, présente. Madame Aro Dilma, présente. Madame Adjé Hoitimere, présente. Madame Bourgad Maïva, présente. Madame Bouton Nicole, présente. Monsieur Bolderson Mouitei, absent. Monsieur Michel Billard, présent. Madame Butchef Erizel, présente. Madame Cross Valentina, présente. Monsieur Fatou Luc, présent. Monsieur Flor Henri, présent. Monsieur Fangloy Charles, présent. Monsieur Fribourg Angelo, présent. Madame Fribourg Joël, présente. Madame Gallon Minari, présente. Monsieur Giros Antoni, présent. Madame Haroua Monet, présente. Monsieur O. James, absent. Madame Iriti Teoura, présente. Monsieur Cocteau Benoît, présent. Monsieur Lauré Nuihau, présent. Madame Le Gaïvaïtea, présent. Monsieur Lison Marcelin, absent. Madame Lucas Béatrice, présent. Monsieur Marie Rateina, présent. Madame Antéorno Pouré Juliette, présente. Madame Mercier Cécile, présente. Monsieur Moutam Thomas, présent. Monsieur Natoua Bernard, présent. Monsieur Pérez Antonio, présent. Madame Périfride Marietta, présent. Madame Pomaretti Sivana, présent. Madame Puitini Silvana, absente. Monsieur Rivetta Frédéric, absent. Monsieur Tevaro Fritsch, présent. Madame Sachet Isabelle, présente. Monsieur Salman Jeffrey, présent. Madame Sanker Nicole, présente. Monsieur Chil Philippe, absent. Monsieur Tahé Poutei, absent. Monsieur Tayata Fernand, présent. Madame Tayata Romilda, présente. Madame Tauterani Louisa, présente. Madame Tarawato Ivateura, présente. Monsieur Tavier Wilfred, présent. Madame Tiarete Apehu, présente. Madame Tiakaroto Joséphine, absente. Monsieur Termona Etienne, présent. Madame Tetete Prori, présente. Madame Teruatea Sylviane, absente. Madame Tetorilana, présente. Madame Tevaito Eliane, présente. Monsieur Tukoragi Félix, présent. Monsieur Thompson Gaston, présent. Monsieur Tourmana John, présent. Monsieur Touva Richard, absent, et Madame Touya Augustine, présent. Voilà, Monsieur le Président. Merci. Pouvez-vous donner lecture du projet d'ordre du jour? Monsieur le Président, la conférence des présidents vous propose l'ordre du jour suivant. Point, approbation de l'ordre du jour. Point 2, discours du président de l'Assemblée de la Polynésie française. Point 3, discours du président de la Polynésie française. Point 4, habilitation du président de l'Assemblée de la Polynésie française à fixer la date des réunions de la session budgétaire. Point 5, examen de la correspondance. Et point 6, clôture de la séance. Merci. Je soumets au vote l'ordre du jour de notre séance de l'Assemblée. Qui est pour? Unanimité? Unanimité. L'ordre du jour est approuvé. Nous passons au deuxième point de notre ordre du jour. Et il s'agit effectivement des discours. En commençant par les discours du président de l'Assemblée de Polynésie française, suivi du discours du président de la Polynésie française. Mesdames et messieurs, vous savez comme je tiens à chaque fois que la réalité nous rappelle à notre modeste condition des mortels à honorer la mémoire de celles et de ceux qui un jour ont siégé sur les bancs de notre assemblée et nous ont précédés. Nous avons récemment perdu deux de nos anciens collègues. Il s'agit de M. Mathias Taruahura, originaire de Borobora, décédé le 23 juin dernier et qui fut conseiller territorial entre 1986 et 1991. Et de M.
Guy Rosy, ancien maire de Hiwawa, décédé le 26 juillet dernier et qui fut élu à l'Assemblée de Polynésie française entre 1967 et 1996. Ensemble, je propose que nous respections une minute de silence afin de leur rendre hommage et leur témoigner de notre reconnaissance pour leur engagement au service de notre pays. Merci. Monsieur le secrétaire général du Haut-Commissariat de la République française en Polynésie française, Monsieur le président de la Polynésie française, Madame, Monsieur le Sénateur, Messieurs les députés, Monsieur le Vice-président du gouvernement de la Polynésie française, Mesdames et Messieurs les ministres du gouvernement de la Polynésie française, Monsieur le maire de Papeete, cher ami, cher Michel, Mesdames et Messieurs les présidents des groupes politiques représentés à l'Assemblée de Polynésie française, Mesdames et Messieurs les représentants, mes chers collègues, Monsieur le conseiller économique, social et environnemental, Monsieur le président du tribunal administratif, Monsieur le président de la Chambre territoriale des comptes, Monsieur le directeur des finances publiques, Monsieur le payeur général de la Polynésie française, Madame la directrice du cabinet du président, Madame le secrétaire général de l'Assemblée de Polynésie française, Mesdames et Messieurs les chefs de service, Mesdames et Messieurs les maires et élus municipaux, Madame le maire de Nouméa, chère Sonia, quel plaisir de vous accueillir ici, Monsieur le président de la Chambre des commerces, Monsieur le président de la Chambre de l'agriculture et de la pêche lagunaire, Messieurs, Mesdames, les représentants du monde patronal et des syndicats des salariés, Messieurs les représentants des confessions religieuses, merci au Seigneur d'avoir permis que vous soyez présents. Journalistes, distingués invités, chers internautes et téléspectateurs, chers amis, par la grâce de notre Seigneur, bonjour à tous. Voici qu'à nouveau, nous sommes réunis afin d'ouvrir ensemble la cinquième et dernière session budgétaire de notre mandature. Alors que la tâche à accomplir reste immense, il nous faudra, dans quelques mois à peine, nous en remettre au verdict des urnes et à la sagesse de celles et de ceux dont le choix déterminera la destinée de notre pays. Il s'agit des électeurs de notre chère Polynésie. Ce qui est attendu aujourd'hui, plus que le discours du président de notre honorable Assemblée, c'est évidemment
l'allocution du président de la Polynésie française, M. Édouard Fritch, qui dressera le bilan d'étape de l'action du gouvernement pour l'année civile qui s'achèvera dans quelques semaines et qui nous annoncera ses orientations et ses perspectives pour les mois à venir. Je serai volontairement bref afin de laisser rapidement à notre président le soin de me succéder à cette tribune. Le cycle législatif de 90 jours qui s'ouvre aujourd'hui revêtira un caractère très particulier. En effet, même si, comme indiqué plus haut, il marquera la fin d'une mandature de 5 années qui aura bousculé les esprits et les hommes, tant elle aura été surprenante et éprouvante. Ce cycle marquera surtout le retour à la vie normale, sans restrictions, sans obligations sanitaires, sans limitation de nos droits et de nos libertés. Cette session budgétaire sera aussi celle de l'accélération de l'activité économique du pays, dont le redémarrage a été amorcé depuis plusieurs mois déjà, grâce aux mesures courageuses et ambitieuses du gouvernement, mises en place avec l'appui des cadres juridiques et des dispositions réglementaires adoptées par notre Assemblée. Cette dynamique reprise économique, nous la devons également à l'État, aux prêts concédés au pays, aux prêts garantis par l'État et aux fonds de solidarité aux entreprises et indépendants qui ont bénéficié à de très nombreuses entreprises polynésiennes et qui auraient été balayées sans ce coup de pouce républicain. Afin de favoriser cette accélération et d'accompagner cette ascension confirmée, dois-je le rappeler, par l'ensemble des indicateurs économiques, nous devons et nous devrons, au cours des semaines à venir, délibérer avec beaucoup plus d'efficacité et de vigueur, débattre avec toujours plus de pertinence et de réalisme, et être force de proposition en usant, sans réserve, de notre droit d'amendement et d'initiative parlementaire. Nul doute que nous devrons également, à l'occasion des débats budgétaires à venir, évoquer la situation préoccupante de notre système de protection sociale généralisée, fortement sinistré par cette crise sanitaire et ses graves conséquences économiques et sociales. Notre protection sociale généralisée est la propriété de chaque Polynésienne et de chaque Polynésien. C'est un bien commun, un patrimoine collectif que nous devons sauvegarder au prix d'importants sacrifices impopulaires, décriés et mal compris, car malheureusement instrumentalisés par des forces politiques d'opposition qui en ont fait des arguments de taille dans leurs discours démagogiques et qui se multiplient et se renforcent à l'occasion des campagnes électorales, parfois déconcertantes. Sur cette question, Monsieur le Secrétaire général du Haut-Commissariat, comme le président du pays a déjà eu l'occasion de le dire, nous comptons grandement sur la solidarité nationale qui permettra d'envisager plus sereinement
la pérennité de nos comptes sociaux. Tout comme il a été au cours des périodes sombres et difficiles dont nous nous échappons à peine, j'ai la certitude que l'État sera à nouveau à nos côtés et au rendez-vous de l'égalité et de la fraternité. Si certains esprits chagrins réduisent de manière éhontée cet accompagnement bienveillant à de la mendicité, je considère pour ma part qu'appartenir de manière autonome à la République et épouser ses valeurs, c'est pouvoir compter sur son aide et trouver en elle l'assurance d'un soutien digne et solidaire. Plus que jamais, alors que les balles sifflent aux oreilles de l'Europe et que les tensions qui agitent l'axe Indo-Pacifique se multiplient et se montrent de plus en plus menaçantes, nous avons besoin de la France et nous devons nous ranger sans sentiment d'infériorité, avec beaucoup de fierté, aux côtés de la République française et quand la réalité nous l'impose, derrière elle et derrière sa force protectrice. Comme l'a annoncé le président Édouard Fritch à l'occasion du congrès des maires qui s'achève aujourd'hui même à Païa, la session budgétaire qui débute sera aussi l'occasion de débattre et de délibérer sur la question du partage des compétences entre le pays et les communes. Je voudrais ici assurer à mes collègues maires, qui ne siègent pas au sein de notre hémicycle, qu'ils bénéficient d'une écoute particulièrement attentive et bienveillante de la part de leurs collègues représentants et que sur ce sujet, comme sur de nombreux autres, cette assemblée sera la leur et que leur voix, leurs préoccupations y seront entendues. Comme le président de la Polynésie française, qui a toujours conduit sa politique en étroite et sincère collaboration avec les maires de Polynésie française, et au-delà de leur appartenance politique, notre Assemblée doit être, elle aussi, l'allié et le partenaire infaillible des élus municipaux. Mes chers collègues, puisque l'occasion m'est donnée ce matin de m'exprimer solennellement face à vous depuis cette tribune, j'aimerais, au crépuscule d'une mandature particulièrement riche et agitée, partager avec vous mes satisfactions et mes regrets. Ma principale satisfaction aura été, et je le dis en toute humilité et modestie, d'avoir tout mis en œuvre au cours des 4 dernières années qui viennent de s'écouler afin de pacifier nos débats et d'apaiser les esprits et les hommes. Vous savez sans doute mieux que moi comme nos discussions ont pu être véhémentes et virulentes au cours des mandatures passées. Je me réjouis qu'hormis quelques rares dérapages, nous ayons pu ensemble et nous ayons su aussi faire de cet hémicycle un lieu d'échange courtois et respectueux. Je me réjouis également d'avoir avec vous réussi la prouesse de faire de notre institution une assemblée résolument animée par un esprit d'ouverture. Ouverture sur le changement avec la réforme du statut de nos collaborateurs et les récentes modifications de notre règlement intérieur favorisant l'efficience
et l'accélération de nos procédures législatives, la valorisation du rôle de nos présidents de groupe, ou encore l'optimisation des moyens alloués aux groupes représentés à l'Assemblée de Polynésie française. Ouverté sur l'opposition, avec dès le début de la mandature, sous l'impulsion du président Édouard Fritch, l'octroi de deux commissions aux groupes d'opposition, mais également la constitution des groupes de travail transpartisans pour accompagner la mise en place des réformes institutionnelles ou la formation systématique de délégations composées d'élus de l'ensemble des courants politiques représentés à l'Assemblée lors des missions interparlementaires. Ouverture sur le Pacifique, avec la signature ou la reconduction des conventions de partenariat avec le Vanuatu, la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna. Ouverture sur le Pacifique élargi et l'Océanie, avec la création du groupe des parlements des îles du Pacifique, dont la prochaine réunion technique se réunira ici même, au début du mois prochain. Ouverture sur notre Parlement national, avec la reconduction des conventions de partenariat avec, nous liant, le Sénat et l'Assemblée nationale. Ouverture sur le monde, avec notre adhésion à l'Assemblée parlementaire de la francophonie, dont nous sommes désormais vice-présidents du bureau depuis le mois de juillet dernier et dont nous accueillerons au mois de janvier prochain, le bureau pour sa réunion annuelle. Ouverture sur la jeunesse, avec la réactivation du dispositif Jeunes cadres polynésiens, Te Wihaunuananhai, initié par notre président Édouard Fritch, quand il dirigeait notre assemblée territoriale, qui a permis récemment la formation, 6 mois durant, de 4 jeunes au niveau Bac plus 3 au sein de nos commissions et des services administratifs de l'Assemblée, rémunérés sur les crédits du cabinet de la présidence de l'Assemblée. Enfin, ouverture sur les préoccupations de nos concitoyens avec la création des missions, de plusieurs missions d'information portant sur les sujets d'actualité et impliquant des consultations citoyennes de la société civile. Une de mes plus grandes satisfactions a également été de travailler aux côtés des fonctionnaires impliqués, consciencieux, et de grande qualité. Sous l'autorité de notre secrétaire général, dévoué, et des chefs de service au professionnalisme sans faille, je tiens ici à saluer le travail réalisé et à leur adresser mes remerciements les plus sincères. Ils méritent notre applaudissement. Mes regrets, eux, sont d'ordre politique, mes chers collègues. Après plus de 30 années passées sur les bancs du gouvernement et sur les bancs de notre Assemblée, de loyauté à l'égard de mes électeurs, de fidélité à mes convictions, je regrette profondément la légèreté avec laquelle certains d'entre nous traitent la sacralité
du mandat que nous ont confié les électeurs. Je ne suis pas de ceux qui culpabilisent l'électorat ou dénient l'évidence démocratique. Au contraire, je considère que le peuple a toujours raison, qu'il doit être écouté et que la vie politique demande une remise en question permanente. J'ai été moi-même candidat à de nombreuses élections au cours de ma vie publique, heureux gagnant de temps à autre, malheureux perdant parfois. J'ai toujours eu à cœur de respecter le choix des électeurs et d'honorer leur confiance. Nous avons vu, au cours des années passées, que la crise la plus scélérate, la plus accablante, la plus dommageable pour l'équilibre de notre pays n'a pas été de nature économique, sociale ou sanitaire. Elle a été politique et porte un nom qui résonne encore tristement dans les couloirs de notre institution. Son nom, c'est l'instabilité. Mon vœu le plus cher pour notre institution et pour notre pays est que nous n'ayons pas à revivre ces tourments de l'irresponsabilité politique. J'ai foi en nos électeurs et regrette profondément que le suffrage se retrouve tristement piétiné, souillé par le nomadisme politique préélectoral, par les alliances secrètes et improbables, les transfuges contre nature, les consignes de vote démocratique déconcertante, la fragilité ou immaturité des convictions. La démocratie vaut bien mieux que tout cela. Sa force et sa pureté doivent éclairer nos décisions et nous contraindre à plus de constance et de maturité dans nos choix politiques et idéologiques. Le peuple nous a confié un mandat, c'est lui seul qui nous jugera. Monsieur le Président, mon cher Édouard, les départs récents ou plus anciens de ceux qui furent nos compagnons de route et qui restent malgré tout nos frères et nos sœurs ne doivent pas vous faire douter de la loyauté, de la fidélité, de la confiance que vous portez encore et que portent encore vos compagnons de la majorité, unis en rang serré autour de vous, de votre gouvernement et qui porteront avec vous le budget de la collectivité à venir. Votre majorité demeure royante, pleinement conscience que l'impérieuse nécessité de vous accompagner dans la reconstruction de notre pays, déjà bien engagé, de l'économie polynésienne. Monsieur le Président, tous les chiffres, sans exception, le démontrent et le prouvent. Aucun gouvernement n'aura autant accompli par le passé que celui que vous dirigez. En dépit de nombreuses contraintes et des innombrables épreuves qui se sont imposées à nous au cours des 3 dernières années, sans votre réactivité et votre courage politique, notre pays se serait enfoncé dans une crise sombre et abyssale, accentuée par une inflation mondiale
qui asphyxie nos économies insulaires. Quoi qu'on le puisse dire, quoi que l'on puisse vous reprocher, quelles aient pu être les erreurs commises par chacun d'entre nous, vous avez été et vous demeurez l'homme de la situation, un dirigeant à hauteur des défis qui s'imposent à notre pays et à notre peuple. Il nous faut terminer ensemble ce que nous avons commencé et continuer toujours avec chaque Polynésien à construire un destin sans clivage, sans exclusion, sans division, une Polynésie unie, autonome, ambitieuse, solidaire et ouverte au monde. Je déclare solennellement la 5e session budgétaire de notre Assemblée ouverte et nous souhaite de riches et fructueux débats. Merci de votre attention. J'appelle notre président de la Polynésie française à la tribune. Merci. Monsieur le Président de l'Assemblée de Polynésie française, mon cher Gaston, Monsieur le Secrétaire général de la Polynésie française, représentant le Haut-Commissaire, Monsieur le Vice-Président du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les représentants de l'Assemblée de la Polynésie française, bien chers amis, Monsieur le Conseiller économique, social et environnemental, Monsieur le Président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, qui est en déplacement, Monsieur le Président du Tribunal administratif, Monsieur le Directeur général des finances publiques, Monsieur le Trésorier payeur général, Monsieur le Président de la Chambre territoriale des comptes, Monsieur le Président de la Chambre de commerce, d'industrie et des services et des métiers, Messieurs les représentants des organisations patronales, Messieurs les représentants des syndicats de salariés, Messieurs les représentants des confessions religieuses, Monsieur le Président de l'Église protestante Maori, mon cher François, Mesdames et Messieurs les chefs de service, Mesdames et Messieurs les journalistes, Mesdames et Messieurs du public, Mesdames et Messieurs les internautes, les téléspectateurs, chers amis, bonjour à tous. Par la grâce de notre Seigneur, bonjour à tous. Je voudrais remercier l'Assemblée, notamment son président, de nous accueillir aujourd'hui ici. Je suis ravi également, car l'on se revoit pour la première fois encore ici, comme on l'a fait pour l'Assemblée nationale. Et donc, merci à vous, chers députés, d'être présents également. Et courage dans vos travaux. Et merci au Seigneur de vous avoir choisi afin de nous représenter. À la même époque, il m'appartient de vous dresser le bilan de l'action que votre gouvernement a menée tout au long de ces derniers mois. C'est également pour moi l'occasion d'évoquer devant vous l'environnement dans lequel nous évoluons et qui nous a réservé malheureusement de fâcheuses surprises depuis 3 ans. Comme vous le savez, la Covid a provoqué une chute d'activité sévère. Néanmoins, la plupart des économies développées ont pu retrouver dès 2022 les niveaux d'activité d'avant-crise. Les zones Amérique du Nord, Europe et France ont ainsi atteint cette année leur PIB en volume de 2019. Selon les estimations, la Polynésie rattrapera son retard dans les 2 années à venir. C'est exceptionnel et cela mérite d'être souligné.
Si la demande résiste globalement et se maintient, la plupart des pays constatent de fortes tensions sur l'offre en raison de grandes difficultés d'approvisionnement au niveau des entreprises. Des difficultés persistantes de recrutement, de fortes incertitudes sur le prix de l'énergie et du cours du dollar, et enfin de l'émergence d'une inflation élevée. Au choc de la pandémie, puis la forte reprise du commerce post-Covid, est venu se rajouter celui de la guerre en Ukraine, qui a provoqué une hausse exceptionnelle des prix de l'énergie, du blé et d'autres commodités. Aussi, après plus d'une dizaine d'années de stabilité des prix comprises entre 0 et 3%, la hausse des prix connaît depuis plusieurs semaines maintenant une forte accélération. En France, le niveau de l'inflation en août était de 6,5%. Ce sont les plus fortes hausses, touchant particulièrement l'énergie et l'alimentation. Ce niveau élevé reste néanmoins inférieur à celui de la zone euro et des États-Unis, qui, je vous le rappelle, frôle aujourd'hui les 9% d'inflation. L'inflation et la protection du pouvoir d'achat sont donc devenues, à l'échelle de notre planète, la première préoccupation des gouvernements, des citoyens et des entreprises. Sur le plan géopolitique, nous assistons, bien malgré nous, à une guerre dont l'issue provoque des effets collatéraux qui nous touchent, nous aussi, directement. Dans le Grand Pacifique, les relations diplomatiques entre les États-Unis et la Chine se dégradent de jour en jour. De manière plus générale, force est de constater que les enjeux géopolitiques mondiaux se sont déplacés dans le Pacifique, qui devient donc ainsi le centre des préoccupations des grands blocs. Je souscris pleinement au propos du président Macron lorsqu'il dit que ce que nous sommes en train de vivre est de l'ordre d'une grande bascule ou d'un grand bouleversement. C'est la fin de l'abondance, des évidences, c'est la fin de l'insouciance. C'est une autre façon de dire que rien ne sera plus jamais comme avant. Mes chers amis, je vous le dis, les temps qui s'annoncent nous obligent à revoir notre modèle, à faire montre de solidarité, à favoriser l'innovation, à identifier et promouvoir les nouveaux acteurs capables de porter la dynamique du changement et surtout à nous retrousser encore plus les manches pour relever les défis. Nous ouvrons donc cette session budgétaire 2022 dans un contexte international incertain, présentant des risques qu'il ne faut pas sous-estimer. Conscient de ce contexte, nous avons rapidement réagi pour nous adapter à la situation et prendre les mesures qui s'imposaient pour protéger notre pays et nos concitoyens, notamment les plus fragiles. Mais après tant d'efforts et d'abnégation de la part de milliers de bénévoles qui se sont dévoués au service des autres, qu'avons-nous dû entendre comme critique acerbe sur la manière dont nous avons géré, avec l'État, la crise sanitaire et économique la plus grave qu'ait connue notre territoire? À toutes celles et ceux qui cherchent à semer la discorde dans ce pays, dans notre pays, je le répète, l'heure est grave. À toutes celles et ceux qui aiment se complaire dans la critique facile et porter des commérages de bas étage, tant sur les réseaux sociaux que par la voix de presse, je vous le dis, ce n'est pas en agissant de la sorte, en stigmatisant, en portant la haine et le rejet des autres, que vous aiderez notre pays, votre pays, à relever les défis à venir. Et la Polynésie, que vous croyez défendre en réalité, vous la fragilisez encore plus. Alors oui, face à de tels bouleversements, nous avons été parfois maladroits. Nous avons été maladroits dans notre façon d'agir. Et je m'en suis déjà expliqué. Peut-être aurions-nous dû communiquer autrement,
rassurer davantage nos concitoyens. Mais sauf à faire montre de malhonnêteté intellectuelle, nul ne peut nier l'engagement de mon gouvernement pour servir notre pays pendant ces temps troublés. Nul ne peut remettre en cause la volonté qui nous a animés au sein de la majorité à œuvrer pour préserver les acquis sociaux généreux de notre PSG et protéger tant que possible le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Revenons donc à l'économie polynésienne. Cette économie qui a connu l'un des chocs les plus brutaux de tout l'outre-mer, avec une contraction du PIB de l'ordre de 7,6%, et aujourd'hui, n'en déplaise à nos détracteurs, la situation économique et financière de la Polynésie française se présente nettement mieux. Les résultats le prouvent, les avancées sont palpables et la croissance du PIB devrait dépasser les 3% pour cette année 2022. En fait, nous constatons que l'activité a mieux résisté que celle que nous anticipions, celle que nous avons estimée. Le plan de relance que nous avons mis en œuvre en 2021 pour favoriser la consommation et l'investissement porte ses fruits. Et il faut collectivement s'en réjouir, sans crier victoire. Rester humble, car le chemin est encore long. L'indicateur du climat des affaires progresse ainsi au-dessus de sa moyenne de longue période à 113,4 au deuxième trimestre 2022, reflétant la bonne tenue de l'activité depuis le début de l'année. Il en est de même de la consommation des ménages polynésiens, qui se maintient à un très bon niveau. Par exemple, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais par exemple, les immatriculations de voitures neuves croissent de 29% sur les 6 premiers mois de l'année. 4100 contre 3200 immatriculations en 2021. 29%. Au niveau du commerce extérieur aussi, sur les 7 premiers mois, les exportations de produits locaux progressent de 30% et les importations de 25%. Très affecté par la crise sanitaire, c'est un secteur qui préoccupe bien sûr, le secteur perlicole voit aussi ses exportations fortement augmenter, plus 18% en valeur, 3,1 milliards de francs contre 2,6 milliards en 2021. Du côté de la pêche, les exportations s'accroissent en glissement annuel de 70% sur la période de janvier à juillet 2022, soit 1,3 milliard de francs contre 750 millions en 2021, dépassant ainsi le niveau de 2019 qui était de 1 milliard. Je ne peux pas non plus passer sous silence la dernière publication de l'IOM sur la résilience des entreprises polynésiennes. L'Institut relève qu'en dépit de la crise, la situation financière des entreprises reste satisfaisante. Je cite. Les mesures déployées conjointement par l'État au travers des PGE et par le pays via le soutien à l'emploi et le maintien de la commande publique ont fortement contribué à cette situation. De son côté, nous savons tous, l'emploi se redresse significativement. Au mois de mai, l'indice de l'emploi salarié du secteur marchand est en hausse de 7,7% en glissement annuel et dépasse son niveau de février 2020. Les plus importants contributeurs à la tendance générale sont les secteurs naturellement de l'hôtellerie et de la restauration avec plus 23% et les services bien sûr à plus 6,4%. Au mois de juillet 2022, on dénombre ainsi 67 159 salariés déclarés à la CPS contre 66 089 en juillet
2019. 67 159. Ce soutien aux entreprises et à l'emploi durant la crise a joué à plein et nous avons évité la catastrophe sociale qui était annoncée. Cette tendance favorable de l'emploi, emploi salarié bien sûr, contribue incontestablement à la consolidation progressive de notre système de protection sociale qui bénéficie cette année de nouvelles ressources budgétaires pour asseoir sa résilience et sa durabilité dans le temps. Sur le plan de la fréquentation touristique, l'année 2022 est en passe de devenir une année record. Tous les types d'hébergements ont dans l'ensemble retrouvé plus de 90% de leur clientèle avec une durée moyenne de séjour plus longue, plus importante qu'en 2019, à savoir 18,6 jours en moyenne en 2022 contre 15,8 en 2019. Sur le premier trimestre 2022, 86 700 touristes ont séjourné en Polynésie française, consommant ainsi 1,490 millions de nuitées contre 400 000 en 2021, soit une multiplication par 3 de la fréquentation. Vous l'aurez compris, chers amis, nous avons retrouvé notre activité et notre attractivité d'avant-crise Covid. Si notre économie va mieux, il convient néanmoins d'apporter quelques points d'attention à cette belle image. Je le disais précédemment, l'inflation est là. Aucune économie dans le monde n'est épargnée par ce fléau. Et je suis parfaitement conscient des conséquences que cette situation fait peser sur le pouvoir d'achat de tous les Polynésiens et sur les charges de nos entreprises. En ce qui concerne l'indice des prix à la consommation, elle affiche un taux de 6,9% en glissement annuel au mois de juillet 2022, notamment dans l'alimentaire qui a augmenté de 7,1% et les transports surtout de 9,8%. Cette hausse est certes importante, mais en comparaison d'autres parties du monde, elle se situe sur une fourchette basse. Elle est par exemple de 9,5% aux US, 12% en Grande-Bretagne et 13% aux Pays-Bas. Sur ce sujet de la cherté de la vie, certains ont réussi un bon coup politique. Étant moi-même un politique, j'ai décelé ce bon coup politique. Il y a 3 mois, effectivement, en mettant sur le dos du gouvernement la cause de l'envolée des prix en Polynésie à cause de notre fameuse TVA sociale, qui nous a largement sauvés par ailleurs. C'était de bonne guerre, mais quelle mauvaise foi et quelle manipulation massive de l'opinion. Mais cela ne nous a pas découragés et le gouvernement s'est totalement mobilisé sur ce sujet et c'est la raison pour laquelle nous avons instauré, depuis plusieurs mois déjà et bien avant la métropole, un véritable bouclier anti-inflation. Ce bouclier comprend une douzaine de mesures. Je vais vous les rappeler, c'est important. Le premier volet de notre action s'est concentré sur les prix de l'essence à la pompe, des hydrocarbures. Face à l'explosion des coûts des hydrocarbures, nous avons décidé de protéger le pouvoir d'achat des ménages au travers du Fonds de régulation des hydrocarbures, le fameux FRPH que vous connaissez bien, en absorbant les fortes hausses constatées. Au-delà, les professionnels ont également bénéficié de ce bouclier tarifaire, ce qui a évité des augmentations en chaîne des tarifs. Souvenez-vous, lorsque l'essence était à 234 francs le litre en métropole ou à 185 francs le litre en Nouvelle-Calédonie, nous étions encore à 146 francs le litre en Polynésie française. C'était au mois de mai. Puis face à la flambée continue du prix du baril de pétrole et du gaz d'ailleurs,
causée notamment par la guerre en Ukraine, nous avons dû procéder à des augmentations, mais toujours à des niveaux inférieurs aux pratiques constatées dans d'autres pays. Dans la zone Pacifique, la Calédonie est passée à 194,7 francs le litre, le Vanuatu est à 235 francs le litre, en Polynésie, nous sommes à 181 francs le litre. Bien sûr, vous imaginez bien que ces mesures ont un coût. Cette mesure, rien que sur les hydrocarbures, a un coût élevé pour nos finances, puisque nous avons dû injecter près de 9 milliards de francs pacifiques depuis le mois de janvier 2022. C'est beaucoup d'argent, mais c'est aussi une volonté affirmée, une volonté assumée. Mais la hausse des prix à la pompe, malgré cette hausse, nous pouvons nous targuer en Polynésie de ne pas avoir vu le prix du litre de sans-plomb dépasser les 200 francs. Aujourd'hui, les cours mondiaux du pétrole semblent repartir à la baisse. Mais nous devons encore subir un dollar toujours plus élevé par rapport à l'euro. Nous payons en dollars. Nous avons également tout fait pour éviter une hausse du prix de l'électricité. Notre ministre en charge de l'énergie, M. Raffin, a jusqu'à présent réussi à repousser la hausse grâce à ses concertations avec Électricité de Tahiti, l'EDT. Nous devrions aboutir à un gel des tarifs de la première tranche, c'est-à-dire celle qui touche les petits consommateurs, et à un lissage de l'ajustement des tarifs pour les tranches plus hautes sur une durée de 3 ans, donc pour les autres catégories de consommateurs. Le concessionnaire doit nous soumettre cette semaine une proposition allant dans ce sens. En sus de cet étalement, à l'instar du dispositif existant en métropole sur le chèque énergie, en accord avec le directeur général de DT, d'Engie plus précisément, un dispositif similaire destiné exclusivement aux plus démunis sera institué en Polynésie avec une participation naturellement du pays à partie égale avec EDT. Chèque énergie. Le second volet porte sur le secteur de l'alimentation. Nous avons identifié une série de produits qui méritaient d'être mieux encadrés afin que la population qui en a le plus besoin n'ait pas à subir de plein fouet toutes les augmentations. C'est ainsi que nous avons élargi la liste des PPN, la liste des produits de première nécessité. Il est important de rappeler que les PPN sont exonérés de toute taxe. Et pour que tout le monde comprenne bien, cela veut dire zéro droit de douane, zéro TVA, zéro taxe CPS, TVA sociale, zéro. Nous allons encore plus loin, car le fret vers les îles est intégralement pris en charge par le pays. Soyons clairs, si certains prix touchant les produits de première nécessité ou de grande consommation ont augmenté ces derniers mois, la TVA sociale n'y est pour rien. Je le dis haut et fort, car de nombreux spécialistes en fake news ou en sensationnalisme, stigmatisant la misère et critiquent les mesures salutaires prises par le gouvernement pour tromper les plus démunis avec quelques miroirs aux alouettes. Mesdames et messieurs les représentants, il me paraît important de rappeler que l'action publique, l'action politique, au sens noble du terme, se fait ici, dans cette enceinte, avec vous, les représentants des élus du peuple, mais aussi par l'action que mène au quotidien le gouvernement. Contrairement à ce que certains pensent, en politique, tous les coups ne sont pas permis, à commencer par le mensonge, a fortiori
lorsqu'il consiste à tromper volontairement le peuple, cette pratique ne grandit pas ceux qui l'utilisent. Outre l'élargissement des PPN, l'exonération de la TVA a été étendue aux produits de grande consommation au PGC, de même que l'exemption de la CPS, de la contribution pour la solidarité. Il n'y a pas de contribution pour la solidarité sur les produits de grande consommation. Ces dispositifs viennent s'ajouter aux mesures déjà prises pour exonérer de taxes et de droits à l'importation, rappelez-vous, des textiles et des chaussures. Le t-shirt vaut presque moins cher ici qu'aux États-Unis. Nous avons également, dans le contexte de crise mondiale sur le blé, maintenu le prix de la farine. La Polynésie peut se vanter à date de vendre la baguette de pain la moins chère de France, alors même que nous sommes les plus éloignés des marchés émetteurs de céréales. Par ailleurs, compte tenu de l'explosion des prix de matériaux de construction, nous avons instauré un régime d'exonération de droits et taxes à l'importation sur certains matériaux de construction. Ces exonérations préservent à la fois, bien sûr, les acteurs du bâtiment et des travaux publics et le pouvoir d'achat de nos ménages. Comme vous le savez, la période inflationniste actuelle a aussi provoqué des effets d'aubaine. Il y en a qui en ont profité. Certains n'ont pas joué le jeu et ont profité du climat international pour faire valser les étiquettes sans commune mesure avec la réalité des prix. C'est pourquoi j'ai demandé à la Direction générale des affaires économiques d'accroître les contrôles afin de sanctionner ces abus. Depuis le 1er janvier 2022, l'administration a réalisé 467 contrôles, dont 230 portent sur le contrôle des prix et des marges. 31 procès-verbaux de nature pénale, 31 procès-verbaux de nature pénale ont été dressés, dont 14 pour hausse illicite. 2 PV de nature administrative portant sur des marges de commercialisation illicitement majorées ont été dressées. Et enfin, nous avons procédé à 252 rappels de réglementation, 91 pour hausse illicite, plus 31 rappels portant sur des défauts de facturation sur les marges. Soyez-en sûrs. Le gouvernement est en première ligne pour combattre ce fléau de l'inflation. J'aurais tendance à dire, pour parler franchement, qu'en période de crise, l'enrichissement abusif des uns devient la souffrance des autres. Cela met à mal la cohésion sociale. Je ne fais pas de ce constat une généralité, car je reconnais que la plupart des entreprises et des commerces ont joué le jeu et je voudrais les en remercier publiquement. Mais toutes les mesures que je viens d'évoquer participent à l'atténuation de ces prix, de ces hausses en particulier, et nous pouvons et nous poursuivons nos efforts en la matière. Pour autant, la lutte contre l'inflation relève d'une volonté et d'une démarche collective. Le gouvernement y prend sa part au travers de la réglementation des marges et de la fiscalité, bien sûr. Les consommateurs prennent également leur part avec l'augmentation des prix. Alors j'en appelle solennellement à la responsabilité des importateurs et des distributeurs pour que nous puissions tous travailler la main dans la main afin de juguler ensemble ces hausses. Notre gouvernement examine actuellement la possibilité de mettre en place un panier bloqué, comme il existe en métropole, et je crois comme il existe en Nouvelle-Calédonie, un panier bloqué. C'est-à-dire une liste de produits
dont les prix seraient gelés. Il va de soi que, comme en métropole, l'instauration d'un tel dispositif ne peut se faire qu'en collaboration avec les importateurs et les enseignes. Nous subissons également les perturbations dans les circuits économiques et subissons des difficultés d'approvisionnement importantes, concentrées pour ce qui nous concerne dans nos importations par voie maritime. Là aussi, nous avons pris les devants. Nous nous sommes inquiétés des difficultés d'acheminement maritime en provenance plus particulièrement de la Nouvelle-Zélande. Comme vous le savez, la Nouvelle-Zélande est un hub maritime de fret qui proviennent d'Asie, qui proviennent de la Turquie pour ce qui concerne les matériaux de construction. Tout converge vers Taronga ou Auckland et vient vers la Polynésie française. Et comme vous le savez, le prix du conteneur a pratiquement triplé depuis. Donc plusieurs réunions de concertation se sont tenues entre le gouvernement et les entreprises polynésiennes pour définir la faisabilité technique et financière d'une telle opération d'affrètement. Parce que nous sommes allés effectivement jusqu'à envisager l'affrètement d'un navire rien que pour acheminer les conteneurs à destination de la Polynésie. Nous avons fait venir M. Winston Peters, ancien vice-premier ministre de la Nouvelle-Zélande. Effectivement, il faut prévoir la facilitation du traitement des conteneurs polynésiens sur la Nouvelle-Zélande. Donc, M. Winston Peters, aussi avocat d'affaires, pour qu'il nous aide à faciliter nos relations avec les ports internationaux de Nouvelle-Zélande qui accueillent nos marchandises en attente d'acheminement vers le Fénois. De plus, pour nos marchandises en provenance d'Europe, nous avons agi en nous rapprochant de la compagnie CMA-CGM pour plaider la cause de la Polynésie. J'ai écrit à M. Saad, PDG de la compagnie, en mai dernier pour lui faire part de nos difficultés et merci à lui, nous avons été entendus. Le PDG de la compagnie a acté une batterie de mesures spécifiques pour sécuriser les approvisionnements de la Polynésie et limiter l'impact des coûts du transport maritime. Par ailleurs, la compagnie NPDL devrait prochainement venir renforcer sa desserte depuis la Nouvelle-Zélande, sécurisant ainsi notre approvisionnement. En matière de soutien du pouvoir d'achat, nous avons effectivement revalorisé le SMIG en tenant compte de l'inflation. Le point d'indice de la fonction publique a été également revalorisé. Les retraites ont été augmentées de 2%. Enfin, nous avons augmenté les aides à la rentrée scolaire. J'ai aussi demandé au ministre chargé de la protection sociale généralisée, M. Raffin, d'évaluer les coûts d'une revalorisation du Moniruo et des allocations familiales sans distinction de régime d'appartenance. Mesure, à mon sens, importante en faveur des plus favorisés parmi nous. Par ailleurs, et comme nous nous étions engagés lors de la mise en place de la contribution pour la solidarité, c'est un engagement que j'ai pris, effectivement, les cotisations maladie des salariés vont être revues à la baisse. Je le confirme ici. Là encore, il s'agit de redonner du pouvoir d'achat tout en faisant, et c'est peut-être l'intérêt de l'opération, tout en faisant baisser le coût du travail ici chez nous en Polynésie. Enfin, nous vous proposerons très rapidement à l'Assemblée un texte pour défiscaliser et exonérer de charges fiscales et sociales les primes que les employeurs pourront verser à leurs salariés, puisque c'est le souhait des chefs d'entreprise qui a été manifesté dernièrement. Nous défiscaliserons effectivement et nous enlèverons les charges sociales sur ces primes. Dans le cadre des départs à la retraite, bien sûr, mais aussi pour les primes d'intéressement, telles que l'ont proposé nos partenaires sociaux. Merci bien.
Il en sera de même pour la prime de pouvoir d'achat, pour la prime de pouvoir d'achat que les employeurs accorderont à leurs salariés. Je pense également à la situation des jeunes ménages qui rencontrent encore aujourd'hui beaucoup de difficultés à accéder à la propriété. Afin de baisser les prix de l'immobilier en faveur de ces ménages dont le salaire est inférieur à 4 SMIC, nous allons le préciser un peu plus tard, mais c'est un sujet de discussion que nous avons eu aussi avec les partenaires sociaux. Donc, à destination de ces jeunes, nous proposerons à l'Assemblée de Polynésie française un nouveau dispositif de défiscalisation en faveur de l'habitat intermédiaire. Nous sommes souvent, effectivement, reprochés de ne nous occuper que de la partie basse de notre structure sociale, ou aujourd'hui nous allons nous occuper de cette partie intermédiaire. Mes chers amis, malgré ces chocs extérieurs, nous sommes en mesure de consolider notre attractivité. Le trafic aérien, lui aussi, reprend son niveau de 2019. Les taux de remplissage de nos avions à destination du Fénois approchent les 80%. La destination Polynésie est de plus en plus convoitée. Les demandes d'augmentation de fréquence des compagnies opérant sur notre sol et le souhait d'autres compagnies d'ouvrir une ligne ici chez nous atteste de cette réalité. Ce développement de l'offre aérienne a mis cruellement en lumière le manque d'adaptation de nos infrastructures aéroportuaires dont la modernisation est suspendue aujourd'hui aux annulations de concessions. Lors de mon dernier voyage à Paris, j'ai attiré l'attention de l'État, tous ministres confondus, sur cette urgence qui nous préoccupe aujourd'hui de moderniser notre structure aéroportuaire. L'État nous a entendus sur l'urgence de faire aboutir ce dossier et donc à finaliser la procédure d'appel d'offres en attribuant la concession à la société Vinci Airport. Je sais que certains veulent encore contester cette décision. Mais je tiens à vous alerter. Le développement de notre pays ne mérite pas d'être obstrué par des procédures juridiques sans fin. Nous devons avancer, et ce, pour l'intérêt général. Il faut toutefois prendre garde. L'ouverture de notre ciel à de nouvelles compagnies peut mettre gravement en difficulté notre compagnie locale, Air Tahiti Nui. Après la reprise progressive des liaisons aériennes avec la Nouvelle-Zélande et les îles Cook, nous poursuivons au travers d'Air Tahiti Nui nos efforts pour une meilleure connectivité de notre territoire avec notamment l'inauguration dans les jours à venir de la ligne Papeete-Seattle le 5 octobre prochain. Les vols sur le Japon reprendront vraisemblablement début 2023. De plus, il paraît nécessaire de favoriser la reprise de l'investissement touristique, notamment par la réouverture des hôtels actuellement fermés. J'accueillerai prochainement à la présidence le nouveau propriétaire des trois hôtels du groupe Grey, le Méridien de Punavia et les deux autres hôtels de Bora Bora. Dans les prochains jours, j'aurai l'occasion de visiter deux hôtels en cours de finition, l'ancien hôtel Contiki et le Cook's Bay à Montréal. L'accroissement de notre capacité hôtelière est aujourd'hui une priorité et je compte beaucoup sur la reprise de certains hôtels sur l'île de Bora Bora pour compléter cette offre. Par ailleurs, pour soutenir les pensions de famille, une activité intéressante, les Polynésiens directement et leurs familles. J'ai pris la décision d'uniformiser le taux de TVA à 5% pour l'ensemble de ces professionnels. Mais nous continuerons à les accompagner pour élever leur niveau de qualité et leur classement.
Comme vous pouvez le constater, la Polynésie est de plus en plus connectée au reste du monde et son environnement et à son environnement régional. Ainsi, en matière de connectivité numérique, j'attache une importance toute particulière à ce que nos archipels éloignés puissent entrer de plein pied dans l'ère digitale. Cette priorité revêt une importance capitale pour notre développement, pour le développement touristique. Partout sur le territoire polynésien, la couverture numérique progresse. Nous avons déployé des solutions de connectivité aux Marquises, au Tuamotu, grâce au câble Natitua Nord. Ces investissements nous ont permis de désenclaver 20 îles, soit un peu plus de 22 000 habitants, qui s'ajoutent ainsi aux 180 000 habitants de l'archipel de la Société. En début d'année 2023, nous inaugurerons la pose du câble Natitua Sud qui reliera Tahiti à Rurutu et Tubuai. Enfin, vous avez pu le lire, le groupe OPT a signé récemment un accord avec les promoteurs du câble transpacifique Hawaii-Kinui pour des études d'opportunités qui portent sur la route Chili-Polynésien via Rapa Nui. Projet que nous avons initié il y a 2 ans, interrompu par la COVID et qui reprend aujourd'hui en matière de discussion en tous les cas. Toujours dans une logique d'égalité des territoires, nous avons mis en place depuis le 1er janvier 2022 le dispositif de solidarité dans le domaine de l'électricité. Pour rappel, ce dispositif instaure un mécanisme de péréquation et permet donc à l'ensemble de nos concitoyens d'avoir peu ou prou un prix de l'électricité équivalent, je ne dis pas même prix, équivalent à celui qui est payé ici à Tahiti. Ce mécanisme est une révolution en soi. Elle était appliquée pour les concessions de l'électricité de Tahiti, mais pas à l'ensemble du pays. Donc c'est une révolution. Les petites communes des archipels éloignés peuvent désormais trouver l'équilibre de leur budget annexe de l'électricité et isoler ces crédits pour investir pour autre chose. Les marges de manœuvre donc ainsi dégagées participent au développement des projets structurants pour le plus grand bénéfice de nos frères et sœurs des archipels éloignés. Comme évoqué précédemment, l'explosion du coût des matières premières fait de l'énergie une ressource qu'il nous faut plus que jamais maîtriser. Notre autonomie énergétique est l'une des clés de notre développement futur. Elle répond également de notre positionnement à long terme quant à la gestion des risques liés au réchauffement climatique où, malgré notre isolement et notre faible impact, nous souhaitons donc être un acteur actif de ce défi planétaire en réduisant nos émissions de gaz à effet de serre. Aussi, je m'engage à tout mettre en œuvre pour consolider nos moyens de production moins basés sur l'utilisation des énergies fossiles afin de réduire notre dépendance énergétique vis-à-vis de l'extérieur. Nous avons déjà des résultats concrets en la matière puisqu'en juillet dernier, nous avons inauguré le plus grand SWAC au monde, celui du CHPF. Après 3 années de travaux et un investissement de près de 4 milliards, cette réalisation remarquable place les Polynésiens aux avant-postes de la technologie. Ce chantier traduit l'excellence polynésienne. C'est le plus gros système de climatisation donc à l'eau de mer dans le monde. Nous pouvons être fiers, chers amis, de cette prouesse technologique qui permettra à l'hôpital du Tahoné d'économiser chaque année près de 300 millions de francs d'électricité et de rajouter 2% d'énergie renouvelable dans notre mix énergétique. Positif pour l'hôpital, négatif pour la commune de Pilet. Perdons des taxes, bien sûr.
Concernant le développement du solaire, la première tranche de l'appel à projet pour l'installation de fermes solaires vient d'être attribuée. Là aussi, il s'agit de réalisations structurantes qui nous permettent de réduire drastiquement de notre dépendance aux hydrocarbures, puisqu'à terme, ce sont plus de 7% d'ENR, d'énergie renouvelable, qui seront injectés dans notre mix énergétique avec plus de 300 millions de francs d'économie annuelle dès 2024. Comme vous le savez, nous anticipons le futur. La refonte en profondeur de notre système énergétique est en cours. Il est primordial que nous tendions vers plus d'autonomie énergétique et nous y arriverons. Encore une fois, l'expérience de la COVID doit nous guider. Les temps difficiles que nous traverserons nous obligent donc à consacrer d'énormes ressources financières, aussi bien pour protéger le pouvoir d'achat de nos concitoyens, soutenir notre économie, que pour renforcer notre autonomie, tant au plan énergétique et qu'alimentaire. Et afin de réaliser nos ambitions, il est impératif que nous disposions de finances saines et solides et que notre niveau d'endettement reste maîtrisé. On va parler un peu chiffres, mais c'est important. Au 31 juillet 2022, les recettes réelles du pays s'établissent à 85,104 milliards de francs pacifiques, soit un peu plus de 6 milliards de francs de plus que l'an passé à la même période. Cette progression conséquente des recettes, de l'ordre de 8%, est expliquée par la très belle performance des recettes fiscales en hausse de 7 milliards, plus de 12%, par rapport à fin juillet 2021. Nous comparons les chiffres en fonction de l'année précédente, 2021 bien sûr. Je l'ai souvent dit, les chiffres sont têtus. Ainsi, une fiscalité dont le rendement se porte bien traduit de facto une activité économique qui, elle aussi, se porte bien. Le produit de la fiscalité indirecte s'établit à 49,592 milliards contre 46 milliards à la même date l'année dernière, porté par la bonne performance de la TVA, bien sûr, et des droits à l'importation. Devons-nous nous réjouir de ces chiffres? Oui, mais avec un bémol. Oui, car au 31 juillet 2022, les recettes de la fiscalité sont supérieures de 2,4 milliards par rapport à l'année passée. Non, par rapport à 2019. 2,4 milliards supérieurs par rapport à 2019, période d'avant-crise. Cela signifie que nous avons retrouvé notre niveau de recettes fiscales de cette période d'avant-crise, ce qui est un indicateur favorable. C'est un indicateur favorable à nos finances publiques, pour nos finances publiques. Cependant, le surplus constaté est principalement dû à l'augmentation des prix de produits importés et du coût du fret. C'est le bémol. Ces taxes sont prélevées effectivement sur des produits importés dont le coût a augmenté au départ et dont le fret a augmenté pour arriver chez nous. Ceci s'explique donc par la nature même des impôts concernés et en particulier leur temporalité. Si les impôts directs comme la TVA traduisent l'immédiateté de l'activité, les impôts indirects comme l'impôt sur les sociétés, l'inverse, a toujours un an d'écart. Ainsi, cette forte augmentation fiscale entre 2021 et 2022 est la juste récompense, conséquence d'ailleurs, de la forte reprise d'activité des entreprises entre 2020 et 2021. Je parle de récompense, ce n'est pas ce qui est écrit, mais je crois qu'effectivement c'est le produit, c'est le fruit des efforts de nos entreprises. Alors soyons vigilants malgré tout, puisque ce sont des chiffres qu'à mi-année. La prudence doit rester de mise. Et c'est justement grâce à cette prudence et à une gestion rigoureuse des deniers publics que nous pouvons contribuer à disposer de marges de manœuvre indispensables pour mener nos actions dans tous les domaines et surtout mettre les moyens pour limiter les effets de l'inflation. Je suis sûr qu'on se pose tous la question, mais d'où viennent les 9 milliards du pétrole?
d'où vont venir ce que nous allons mettre, injecter dans l'économie pour soutenir. Cette richesse va nous servir à nous battre pour juguler la hausse des prix dans notre pays. Compte tenu d'autre part des réalisations des recettes 2021 supérieures aux prévisions budgétaires l'année passée et d'autre part des prévisions de recettes fiscales pour 2023, je peux déjà vous annoncer, puisque c'est la saison, je peux vous annoncer et annoncer aux communes et aux maires une inscription budgétaire record pour le FIP l'année prochaine, qui devrait avoisiner les 18,5 milliards, soit une augmentation de plus de 3 milliards. Je n'ai pas cherché à détourner ce qui est dû à nos communes. Concernant les communes, nous avons ouvert le chantier de la réforme de notre fiscalité pour reverser une partie de la redevance de développement touristique aux communes qui accueillent des établissements hôteliers, ce qui viendra conforter leur budget. Vous savez que les communes persistent et continuent à demander effectivement qu'elles puissent bénéficier d'une fiscalité propre. Donc nous allons commencer avec le reversement d'une partie de cette taxe, la RDP, aux communes qui font du tourisme et de l'hôtellerie. Pour ce qui concerne les dépenses en investissement du pays, le montant liquidé au 31 juillet 2022 s'élève à 23 milliards. Là aussi, supérieur de 4,6 milliards qu'en 2021, à la même période. Il est prévu que ces dépenses avoisinent un montant de 44 milliards pour la fin de cette année, et ce, hors remboursement en capital de la dette. Ce sera encore une fois une année record, mais nous devons produire, nous devons construire, car les entreprises ont besoin pour maintenir l'emploi. Par ce chiffre, comprenez aisément que l'action du gouvernement est là aussi concrète. Outre les montants liquidés, je souhaite attirer votre attention sur les montants engagés. Au 31 juillet 2022, le montant total des engagements en cours sur l'exercice s'établit à 93 milliards de francs, soit un niveau considérablement supérieur de plus de 28% à celui de l'an dernier, qui était de 72,878 milliards. On est passé à 93 milliards d'engagements. Ainsi, malgré la crise qui a mobilisé et mobilise encore les équipes et les fonds publics, les projets structurants de la collectivité continuent à avancer. Et comme vous avez pu le constater depuis 2 ans, nous gérons le budget au plus près, en faisant preuve d'adaptabilité et d'optimisation de chaque franc investi. Le ministre des Finances l'avait dit, je le cite, « Nous ferons autant de collectifs budgétaires que nécessaire. » Le souci de l'adaptation. Et c'est le cas. Rien ne sera jamais plus comme avant, oui. Et c'est aussi le cas dans notre façon de gérer les deniers publics, en passant d'une approche comptable à une approche financière et prospective, qui, je le souligne, est saluée par nos bailleurs de fonds. Ainsi, nous terminerons cette mandature avec des comptes stabilisés et une dette maîtrisée. Plutôt que de faire l'éloge de notre gestion, parce que ce n'est pas l'objectif, je préfère vous citer mot pour mot l'opinion crédit de l'agence de notation Moody's en date du 17 mai 2022, puisque bon, si c'est moi qui le dis, bon, là je vais citer l'agence Moody's. Moi là, c'est pas moi. Hein. Le profil de crédit de la Polynésie française A3, perspective stable, reflète ses fondamentaux solides et les mesures courantes de soutien du gouvernement français en 2020 et 2021. Malgré une détérioration de la performance financière en 2020 et 2021 et une augmentation du niveau d'endettement, le profil de crédit reste soutenu par l'engagement continu du gouvernement polynésien à préserver les équilibres budgétaires et par sa gestion prudente de la dette
et de la liquidité. Notre évaluation de la qualité, c'est toujours Moody's qui parle, notre évaluation de la qualité de crédit de la collectivité d'outre-mer de Polynésie française rend aussi compte de la fragilité économique de son territoire ainsi que des enjeux entourant son système de sécurité sociale. Effectivement, sortir d'une crise sans précédent et obtenir un commentaire aussi favorable d'une agence de notation, je pense que tout est résumé dans cet avis. Malgré ces données encourageantes, mes chers amis, j'ai bientôt terminé. Nous sommes astreints à une obligation de prudence. Bon nombre d'actions restent à poursuivre, voire à entreprendre. Je voudrais ajouter à cela, sans m'y attarder, la perspective des grands travaux. L'appel à projet concernant le village tahitien a été revu et adapté afin qu'il soit moins imposant. Moins imposant. Nous avons entendu les critiques de ceux qui trouvaient ces projets surdimensionnés, faramineux. Nous avons entendu les critiques des associations et les souhaits de la commune de Punavian. J'ai bon espoir que cette fois-ci, ce sera la bonne et que les investisseurs, que je souhaite être des investisseurs locaux, répondent. L'attribution de la concession de l'aéroport permet également de voir venir un chantier majeur qui durera plusieurs années, puisque le nouveau concessionnaire va totalement repenser l'aéroport. J'ai eu engagement verbal du président de Vinci qu'il utilisera effectivement des entreprises locales pour réaliser ces travaux. Enfin, le projet de pôle de santé privé unique qui doit regrouper nos deux cliniques actuelles avance également et j'ai bon espoir qu'il voit le jour. C'est un peu plus compliqué. Le pôle de santé unique, vous savez, c'est le regroupement de nos petits hôpitaux, nos cliniques, Cardella, Ofay, c'est compliqué. Et comme vous le savez, le pays a mis à disposition de ce pôle de santé unique un terrain qui est prêt, qui attend. Mais j'espère. J'espère en tous les cas que ces grands chantiers qui sont de nature à éclaircir l'horizon et à donner de la perspective aux entreprises, car elles sont créatrices de centaines d'emplois, si ce n'est de milliers en phase de construction. Et bien sûr, autant en phase d'exploitation. La commande privée n'est pas en reste. Et sur certains grands projets, le gouvernement a eu l'occasion de faire connaître sa position. Là aussi, certains de ces projets rencontrent une résistance, sans doute parce qu'ils sont surdimensionnés. J'invite donc les promoteurs à se rapprocher des communes concernées et des associations pour trouver un terrain d'entente qui rende ces projets acceptables pour tous. Je ne crois pas que la population est opposée à la création d'emplois. Je ne crois pas. Et je fais confiance au dialogue entre ces investisseurs et ces associations. Comme nous l'avons fait en reconsidérant la taille du projet du village tahitien dans le cadre d'un nouvel appel à projet. Nous avons besoin de projets. Nous avons besoin de nous développer et de créer des emplois. Mais ces projets doivent s'intégrer. Ces projets doivent s'intégrer dans leur environnement et être acceptés par les populations. Il ne s'agit pas de faire ce que l'on veut. Il ne s'agit pas de laisser faire ce qu'ils veulent. Une intégration aujourd'hui est nécessaire dans l'environnement et avec la vie de nos associés. Aussi, je persisterai dans la voie à tracer depuis ces dernières années en ayant à l'esprit que la préservation de la paix sociale est une priorité absolue. La condition sine qua non de la prospérité de l'ensemble de notre collectivité. Je tiens à saluer à cette occasion la capacité de nos concitoyens habitant les îles les plus éloignées à résister aux difficultés de tous ordres auxquelles ils ont été confrontés
ces deux dernières années. Je vous assure que vivre au Tuamotu, vivre aux Australes, vivre aux Marquises, ce n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas une mince affaire. Ici à Tahiti, nous sommes privilégiés et devons mesurer les prix des avantages que nous bénéficions. Accès aux soins, ce n'est pas con. Accès aux soins, accès aux services publics, facilité à nous déplacer, ce qui n'est pas le cas dans certains de nos archipels. Facilité d'accès aux soins, facilité de se déplacer. Nous sommes privilégiés. Je ferai tout pour éviter une augmentation des taux de fret pour les archipels. Je ferai tout pour éviter cette augmentation et je convaincrai les armateurs que ce n'est pas le bon geste à faire dans les jours à venir. Parce qu'il nous faut vivre ensemble. La Polynésie est une et indivisible. Partant de ce principe, le maintien de la cohésion sociale exige que personne ne soit oublié. En 2023, le secteur social sera et restera l'une des priorités cardinales du gouvernement. La mise en place de la protection sociale universelle sera poursuivie, voire même accélérée. Je tiens impérativement à ce que cette réforme aboutisse dans un esprit de concertation et de consensus. Il est des réalités qu'on ne peut ignorer. La population polynésienne vieillit et les dépenses effectivement de santé continuent d'augmenter inexorablement. Ces enjeux de taille impliquent que nous trouvions des solutions concrètes afin d'assurer le financement pérenne de cette protection sociale généralisée. C'est dans ce cadre qu'en tant que politique, effectivement, et contrairement au conseil de mes ex-mentors, j'ai proposé que l'Assemblée adopte ce fameux 1% de la CPA. Je n'aurais pas dû le faire si je souhaitais gagner les élections. Je l'ai fait parce que je trouve effectivement, comme le disait le président de l'Assemblée, c'est notre patrimoine commun, cette PSG. Il faut tout faire pour la sauver. Et c'est la raison, c'est dans ce cadre que lors de mon dernier déplacement à Paris, j'ai sollicité, j'ai demandé la solidarité nationale pour nous accompagner dans le financement de la PSG. Et je dois vous dire que l'État s'est montré d'autant plus à l'écoute de nos demandes. L'État a été attentif. Que les Polynésiens aussi ont déjà pris, eux, leur part d'effort avec l'introduction de ce 1% de CPS et aussi, je n'oublie pas, l'augmentation de la CST pour certains d'entre nous. Mais malgré ces efforts, malgré les efforts consentis par les Polynésiens, le financement de la PSG reste encore pour l'heure problématique. Alors, c'est ainsi que le ministre délégué aux Outre-mer, qui vient effectivement d'être nommé, M. Jean-François Carenco, avec l'aval du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, nous a saisis pour la rédaction d'une feuille de route commune État-pays pour les 5 prochaines années. Cette feuille de route concerne les orientations et les bases du renouvellement des partenariats financiers État-PI pour la période 2024-2027, puisque pour la grande majorité des conventions actuellement en cours, nous arrivons au terme en 2022 ou en 2023. Les orientations de base, les mesures exceptionnelles que l'État entend mettre en œuvre dès 2023 au titre du financement de la PSG et dans le cadre de la solidarité nationale. Cette feuille de route concerne les conditions d'octroi du fonds de transition énergétique, les fameux fonds Macron, qui nous serviront à construire des centrales hybrides dans nos îles des Tuamotu. Et enfin, il concerne les conditions d'accompagnement de la Polynésie française par l'État sur les aspects environnementaux. Effectivement, c'est aussi un souci permanent. Le ministre des Finances est chargé de la coordination de ces travaux avec les services de l'État. Je l'ai fait savoir naturellement à Paris et ici, et le document est attendu pour la fin du mois d'octobre.
L'État nous a par ailleurs confirmé le versement de 250 millions qui ont été inscrits lors du vote par le Parlement du projet de loi de finances rectificative pour venir financer les aides alimentaires aux ménages les plus modestes. Nos services et les services de l'État travaillent actuellement sur le dispositif de répartition auprès des foyers concernés. Je suis persuadé, je suis convaincu, chers amis, que nous trouverons le bon équilibre. Et l'avenir nous le prouvera. Avant de venir à la conclusion de mon propos, je souhaite évoquer un sujet qui préoccupe certains, sûrement pas la majorité de cette population, encore moins l'ensemble de cette population, c'est la fameuse question du cannabis thérapeutique. Le gouvernement a engagé des études sur le sujet, mais avant de vous présenter un texte de loi, je souhaite véritablement qu'un véritable débat de société s'engage sur le sujet pour que la population soit parfaitement informée des tenants et des aboutissants de ce dossier. Je suis contre la consommation de cannabis. Et bien sûr que les effets pervers d'une telle loi sera de notre responsabilité. Il faut qu'on en débatte. Il faut qu'on informe nos populations sur les dangers de tels dispositifs. Chers amis, malgré le contexte actuel, notre majorité, je crois, n'a pas à rougir de ses actions et de son bilan. Oui, je vous le dis, diriger notre pirogue par ces temps perturbés relève davantage du sacerdoce que d'une balade paisible sur le lagon. Les moments de forte tension, de crise, comme ceux que nous venons de vivre, que nous allons continuer à vivre, ce n'est pas terminé, n'est-ce pas ? Il y en a qui se complaisent là-dedans, doivent nous amener à nous poser des questions fondamentales sur ce que nous sommes et sur notre vision de la société polynésienne de demain. Beaucoup de choses se joueront aujourd'hui pour nos enfants demain. Je rappelle notre souci commun, plusieurs fois répété ici, de l'héritage que nous allons laisser à nos enfants. Ça se joue là. J'entends et je lis effectivement de plus en plus régulièrement des propos stigmatisant tour à tour telle ou telle catégorie de notre population, des propos vindicatifs ou encore des propos haineux. On commence par les désigner, puis les accuser des différents problèmes, des différents maux de notre société. Je dois vous l'avouer, ça me fait peur. J'ai peur. Car ça nous renvoie à des heures sombres de notre histoire, à de la démagogie, à un populisme qui n'a, à mon sens, pas sa place dans ce pays. Nous l'avons vécu pour certains d'entre vous, ensemble. Je n'en veux plus. Ce phénomène n'est pas propre à la Polynésie, ce n'est pas que nous. Dans de nombreux pays du monde, la crise a eu pour effet d'alimenter ce populisme et le nationalisme. Mais le repli sur soi n'a jamais permis le développement et a toujours conduit à l'exclusion, puis à la guerre. Je suis profondément et viscéralement attaché aux valeurs républicaines que sont la liberté, l'égalité et la fraternité. Nous devons tout faire, et je ne le cache pas, moi en premier, pour que ces valeurs servent de référence à notre politique, servent de référence à la cohésion sociale de notre pays, sur notre territoire. Faut-il le rappeler à chaque fois ? Non. Nous l'avons ancré aujourd'hui dans nos tripes.
Je suis ancré dans la République et dans le respect de notre autonomie. Vous le savez, je suis autonomiste. Je porterai toujours haut les valeurs de l'autonomie, sans dérive et sans tentation démagogique. À notre attachement à la France s'ajoute, nos propres valeurs polynésiennes de solidarité, de bienveillance, de l'ouverture à l'autre et de respect de l'autre. Conservons toutes ces valeurs positives comme des fondamentaux indispensables et immuables pour écrire tous ensemble notre Polynésie de demain, et ce, dans le respect de tous. Rappelez-vous, quelqu'un qui l'a dit, individuellement, nous sommes une goutte d'eau. Collectivement, nous sommes un océan. Et c'est notre force. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur le Président de la Polynésie française. Je vous propose une suspension de séance. Si vous êtes d'accord, merci. La séance est suspendue. Messieurs les représentants de l'Assemblée, et après vous pourrez disposer, ça ne va pas durer longtemps. Après, j'ai rentré dedans, j'aurais dû attendre.
S'il vous plaît. Merci. Nous passons au point 4 de notre ordre du jour. Il s'agit de l'habilitation du président de l'Assemblée Polynésie française à fixer les dates des réunions de la session budgétaire. Et conformément à l'article 10 du règlement intérieur, je demande à l'Assemblée d'habiliter le président à fixer pour toute la durée de la session les dates de réunion. À ce propos, vous avez été destinataire d'un calendrier de séance. Toutefois, je voudrais vous informer d'une modification du calendrier, et cette modification a été apportée à la date de la quatrième séance budgétaire. Au lieu du 27 octobre 2022, la séance aura lieu le 31 octobre, lundi 31 octobre. Il s'agit de la séance réservée au débat d'orientation budgétaire, en accord avec le gouvernement. Donc, à la place du 27 octobre, la séance aura lieu au 31 octobre. Pour information, dans la semaine du 27, 28, 29 octobre, vous êtes tous invités à participer à la course Hawaii Nui. C'est un événement national. Là, je soumets au vote. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Merci, Maruru. Alors, quatrième, cinquième point, c'est l'examen de la correspondance. Vous connaissez la procédure pour accéder à la correspondance. Et enfin, je propose de clôturer la séance et je vous remercie. Maruru, Marumaite. Merci à tous. Tout simplement que les présidents de groupe sont invités à se réunir dans ma salle de réunion, là à l'instant même. Merci.